Aujourd'hui, mort, conquête, guerre, ensemble, nous allons être contents. C'est la fête normalement. Là, le groupe est à fond. Hein. Là, le groupe. System of a Down 2033. Oh, le flûtiste! Discours de fin de journée. Guerre, mort, conquête. Grâce à vous, on se déploie sur le monde. Souhaitez la bienvenue. Ah, famine. Sacrée journée dans votre tombeau. Le premier jour, mais c'est totalement vrai, le premier jour de famine sera un vendredi 13. Regardez, calendrier. Vendredi 13, le jour de prise de famine. Mais le script, mon gars, le script. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, ce qu'on faisait ce soir, c'est qu'on découvrait le jeu de Tavern Master, qui est un jeu de gestion de taverne, comme vous en doutez, avec notamment ici, gestion d'un groupe de musique, d'un groupe d'aventuriers. Il y a plein d'aspects qui sont hyper riches, mais en apparence simple, mais pas simpliste, avec notamment la formation de... quoi donc ? La formation des employés. Alors, on a pris le pli d'appeler les serveuses par les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Donc, on a guerre, mort, conquête et famine, qui sont quatre employés tous les quatre, chaque mois, quatre employés du mois. Et donc, aujourd'hui, on a employé une nouvelle serveuse qui va attaquer... son premier jour sous mon patronat, un vendredi 13. Et bonsoir tout le monde. Nous avons les aventuriers qui arrivent. Là, aujourd'hui, on peut encore en embaucher une. Mais on va l'appeler comment, la nouvelle? Du coup, comment on va l'appeler? On l'appelle comment? Pestilence? Pangolina? C'est pareil que Pestilence, non? Ils sont revenus. Les aventuriers sont revenus de la chasse aux fraises. Eh bien, l'aventure est réussie, sachez-le. Nous avons évidemment notre barman, c'est Hannibal Lecter. Nos deux chefs sont Dexter Morgan et Sweeney Todd. Et comment on l'appelle, la dernière? Alors, est-ce qu'on en a besoin? On n'a pas besoin pour l'instant. On n'a pas vraiment besoin. Par contre, ce dont on a besoin, c'est plus de place. Ouais, c'est ça. Une plus grande cuisine. Là, est-ce qu'on peut faire une porte dans la cuisine? On peut faire ça, hein, en vérité. Ah, j'ai peur qu'en faisant ça... Ouais... On va... faire ça... faire ça... De toute façon, on n'est pas à 30 boulas près. Ce dont on a besoin, en revanche, c'est d'avoir une deuxième caisse pour la cuisine, pour mettre des ingrédients supplémentaires. Parce que c'est ce qui nous manque, hein, pour le coup. Hein. C'est totalement ce qui nous manque. Là, comme ça, on peut récupérer nos champignons. Allez, hop là. Yes. Pas de gaspillage. Regardez comment ils ont l'air contents, mais regardez comment ils sont joie. On n'a jamais eu autant de tunas. Il nous faut... Alors, parce que là, on a quoi? On a ici des clients rares et des clients ordinaires quand ils sont gris. Et les clients rares ne viennent que quand on organise des événements, genre la fête du travail. On va organiser la prochaine fête. De fou, on a plein de choix. Hein. On a suffisamment de fromage. On a une nouvelle. On va... oh, j'ai très envie d'organiser la fête du travail dans 2 jours. Ça va être une fête, mon gars. On a notre soldat, notre garde, Léopold, qui doit absolument être armé jusqu'aux dents. Mais jusqu'aux dents. Vraiment, c'est la sécurité. Il nous coûte pas cher, mais c'est un frigo. Oh, on a quasiment rien du tout. La pauvre armure ici à l'entrée. Genre qui garde. Et ça se trouve, Léopold, il est à l'intérieur, quoi. Ah, j'ai bien envie de tester comme ça, mais je ne sais pas si on aura... Ah, on a une nouvelle serveuse. On va faire ça. Exceptionnellement, l'eau, qui ne coûte rien du tout. Allez, j'offre 1 litre d'eau. On la vend. Tu sais, c'est pareil, tu sais. Le verre d'eau, 3 pièces d'or. Pire patron qui baisse...
les salaires le jour de la fête du travail. Non, pas le pire patron. Un patron normal. Bienvenue dans la vraie vie. Tu vois. À un moment donné. Eh oh, mais t'étais où tout ce temps? Pendant que la Terre, elle tournait. Qu'est-ce que... Mais Gwispy, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu faisais? Tu payais des verres d'eau à Porte de Versailles? À 3 pièces d'or? Mais alors? Non, on n'offre pas de l'eau gratuite. On leur fait payer l'eau qui... Alors, ah, ok, d'accord. Le niveau de l'aventurier est calculé sur la base du prestige. Et il affecte le pouvoir de l'aventurier. Ça, c'est ok. Voilà, on va faire un endroit tellement superbe qu'il en devient magnifique. Sans fenêtre, ça donne une bonne ambiance. Ouais, avec des crochets de boucher, tout ça, quoi. Je sais pas trop. Ok. C'est parti. Non! Ah! Bravo, Léopold! Quel grand guerrier, ce Léo! C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se protège. Léopold, MVP. Ok. Qu'est-ce qu'on peut envoyer? De quoi avons-nous besoin? Ah, oh, on va... Oh, j'ai pas... Est-ce que je peux les envoyer tous, là, comme ça? Waouh! Non. On va plutôt aller chercher des noix de coco. Hein. Ça va être mortellement moins dangereux. Hein? Voilà. Un tombeau avec des fenêtres. Regardez. Oh là là, regardez. Les aventuriers. Oh, ils ont laissé un seul aventurier tout seul, regardez. Oh. Et nous seuls. Oh, le pauvre. Bon, on est pas mal. Léopold. Ah, voilà! Là, c'est ok. Alors, en fait, tu fais tes recherches en fin d'après-midi, quoi. T'es. Ok, youtubeur. Le gars, il se réveille en fin de journée pour travailler. Mais. On a Marion! Serveuse d'élite! Attends, mais je sers quoi au menu, moi? Je sers pas que des desserts? J'ai pas fait exprès, non? Non. Comment on l'appelle? Pestilence? Non. Barbie. Cinquième cavalier de l'apocalypse. Que du coup, ça fait... comment ça s'appelait? Albert le cinquième mousquetaire, tu vois. Je vais pas l'appeler Albert. Non, je vais pas l'appeler Flatulence. Même si ça rime avec Pestilence. Non, 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 non. Non, il y avait quelqu'un qui avait évoqué tout à l'heure un très bon nom de cinquième cavalier de l'apocalypse. Y a pas... Très bien. ISF. Allez. Partons là-dessus. C'est quand même un cavalier d'élite. Hein. Bureau de recherche, des lumières, on est ok. Décoration, on peut ajouter de la déco jolie. Allez, tableau joli. C'est vrai qu'on avait... va falloir faire une belle journée. Et pour faire une belle journée, il va falloir augmenter tout ça. Hein. Léopold est ok, le menu est incroyable, le défi atteindre, mais regardez, on a fait tout, se défendre, on a tout fait, on est des dieux vivants de l'auberge. Et on va revenir, nos aventuriers vont revenir avec des petits pois, mon gars, comme ça, pour célébrer la victoire, regardez, hop là, petit pois, boum, réussi, noix de coco, fromage, boum, réussi. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Fraises. Il nous manque des fraises. 40%. Non, on va prendre 15, 19, 18. Ok. Mais pas assez d'argent. Mais d'où on a pas assez d'argent? Quoi, c'est la chorale qui nous coûte ça? À partir de la chaleur corporelle générée par la taverne, tu pourrais peut-être faire pousser des choses. Des champignons sur des gens, par exemple. Je pense qu'avec la chaleur corporelle, vu la proximité, je pense qu'on peut être grave ok en fait. Est-ce qu'on a de quoi lancer une chasse? Ah, il y a du poisson, mon gars. 154, on a tout juste de quoi aller chasser des fraises. Ça va être un peu la chasse de notre vie, mais ok.
Des moines? Il y a des moines à Sandek? Il y a des moines? Non. Mais si! Mais dis donc! Monsieur! Ça vous dérange pas qu'il y ait quatre serveuses qui s'appellent guerre, mort, famine et conquête? Problème, je l'ai tordu là. Mais non, c'est pas... Attends, l'entrée n'est pas... Je crois que nous avons un petit problème d'alignement, Houston. C'est Feng Shui moins 1, je dirais. Avoir déplacé un peu cette porte. Je viens de réaliser, mais personne m'a dit aussi. Attendez, mais non. Mais en fait, si, c'est aligné, c'est le tapis qui n'est pas aligné. Mais bien sûr, c'était aligné depuis le début. Mais c'était aligné, c'est vous qui étiez genre... Voilà. Attends. Mais c'est aligné, c'est juste que... Voilà. C'est genre grave aligné trop bien, tu vois. Mais pas tout à fait. One eternity later. Voilà, et faire comme ça. Combien il coûte? 100 balles le tapis. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est... ça n'a aucun sens de style. Genre les gens, ils arrivent, ils se disent... Ouais, ça... Il y a du vin et l'hydromel, c'est ok. Mais sinon, niveau symétrie, on en est où? Et t'entends tout le monde qui tousse comme ça. Mais regardez tous ces gens. Oh, mais tous les skins. Il est 8h du mat. 1000 balles à 8h du matin. On a explosé le record du The Event. Non. Mais d'où j'ai pas pu aller chercher des... J'avais 90% d'aller chercher des petits pois. D'où l'aventurier chou, là. Non, mais l'enfer. C'est quoi, ces aventuriers? Qui c'est qui est là? Tiens. Mais c'est pas vrai! Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Non, mais je suis dégoûté, là. Regardez. Le prix du verre d'eau. Le prix de la bière. Et... Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent en nombre, c'est parce qu'on paye un concert incroyable. Et du coup, ils viennent en nombre. Et derrière, tu les fais raquer. Le lait, le lait. 7 pièces d'or, le verre de lait. Dis papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Je suis désolé, il va falloir que je te vende. Oh. Je voulais juste demander qu'est-ce que c'était que ce verre de lait, papa? Non, chut. Tais-toi, Kevin. C'est la fête du travail. Comme c'est la fête du travail et qu'il va falloir célébrer le travail. Le lait à 8 pièces d'or. Le verre d'eau à 7 pièces d'or. La bière à 9 pièces d'or. Bienvenue à Port de Versailles. Est-ce que ce serait pas le moment d'avoir une chaise de malade? Genre le tabouret de... Mais c'est pas un tabouret de luxe, t'as même pas un appui d'eau. Mais comment tu veux gérer ça? C'est l'enfer, ce truc, là. Un JDR sur les scouts. Alors t'arrives... T'es perdu dans la forêt. Il va falloir que tu fabriques une cathédrale. Tu utilises un chewing-gum et un pince à linge? Ça marche. Fais-moi un test de survie. Tu vois une vieille dame, elle ne veut pas traverser. Que fais-tu? Oh, oh non, pas la vieille dame. Oh, je fais un test de morale. Oh. Viande. Ok, recette, est-ce qu'il nous manque? Il nous faut des noix de coco. Ok. Oh mais l'aventure de la noix de coco là, mon gars, c'est une épopée. Rechercher les marchés de la ville. Je suis obligé d'envoyer genre 7 gars surarmés. Et ils sont pas sûrs de remporter. Ils sont là en mode « Oh, on va y aller, patron, mais on n'est pas sûr de nous en sortir. Ça va pas être facile. Dis à ma femme que si je reviens pas pour aller chercher des noix coco au marché, sache que le petit Billy, oh, non, je ne veux pas lui faire de la peine. Je veux juste qu'il sache que maman était très proche du voisin. Allez, salut. » Notre premier canapé en parlant de...
place. Le banc de luxe, quoi. Boum. Le truc qui me fait exploser le vertige. Vestige, prestige. Waouh, ça va, vous avez compris. Le premier qui dit titre à ce que je viens de dire va se faire reprendre par un modérateur. C'est ça ce qu'il nous faut. Rencontre du bourreau. Ah bah voilà, en plus ça change, c'est génial ça. C'est génial ça. Organisez une petite rencontre du bureau. Hein ? Dans votre tombeau. Génial. Faut... Quoi ? Il faut de la place ? Mais attends, mais comment je fais pour avoir plus de place là ? J'ai trop de viande ? Sans deck. J'ai trop de champignons ! Mais tu ne le vois pas. Oui, tes employés, c'est pas promouvoir le mouvement du capitalisme ? Ben, je les paye en visibilité, donc je n'encourage pas le capitalisme. J'encourage la solidarité. Oh, le ragoût a augmenté. C'est une table pour deux. C'est une table pour deux, la table ronde, sans deck. Quelle arnaque. Ah, oh. Oh, je le savais, hein. Sache-le que je le savais. Sauf que je le savais pas. C'est 30 minutes que je t'avais dit. Tu l'as pas bien dit. Il y a dire et dire, tu vois. Du coup, t'as une table de luxe à zéro place. Et alors ? Quel est le problème ? C'est tellement mal décoré. Si j'arrive, en fait, le gars, il arrive avec lui-même. Où est-ce que je vous dépose ? Oh, dans la cuisine. Ouais, d'accord. Il arrive, genre comme ça. Très bien. Mais vous savez que c'est le tabouret de luxe ? Moi, je sais. Et alors ? Bah, c'est impressionnant. Ouais, grave. Fin du game. Tu vois ? Il est minuit. Réaménagement. Ok, c'est ok. Et on a une bonne sœur aussi. Et madame, qu'est-ce que vous venez consommer ici? Est-ce que c'est raisonnable? Pas l'impression que ce soit méga raisonnable. Hein. Un shooter d'eau bénite. Oh oui. J'espère la recherche. Allez, s'il te plaît. Avant minuit. Yes! On a débloqué l'étage. On a débloqué l'étage. On a débloqué l'étage. Yes. Attends. Il y a... Il y a la fête, la rencontre du bourreau demain. Au revoir. Merci d'être passé. Vous partez pile au moment où j'ai doublé les prix de tout. Pourquoi vous avez fait ça? Ça allait être super intéressant. Vous alliez pouvoir vous payer un verre de lait à 9 pièces d'or ou un verre d'eau à 8 pièces d'or. Attendez, j'ai l'impression que je n'ai plus assez d'eau. Je vais recharger. Voilà, j'offre 50 litres d'eau que je vais faire payer chaque pichet à 8 pièces d'or. C'est à ce moment-là où tu entends une voix qui dit « Bienvenue dans le vrai monde, Néo. » Et nous avons la mort qui a gagné un niveau. Félicitations, la mort. Allez, ça va être la fête. Oh, regardez, tout le monde vient là. Regardez, mais... Regardez. C'est la Saint-Bourreau. Regardez, mais... Franchement, t'es aubergiste. T'as, je sais pas, 160 personnes qui viennent, qui viennent comme ça. Bon, après, tu t'appelles Hannibal Lecter. Ça change pas de sujet. Mais t'as 160 personnes qui arrivent. Comme ça. T'es rassuré comment ? Sur une échelle de 1 à 20. Mais même si tu rajoutes des paillettes. Tout se passe bien, hein, tout se passe bien. Regardez à quel point tout le monde s'amuse. Ah ouais, non mais c'est... c'est surtout le voleur qui a dû dire oh, super idée. Je vais aller avec un peu de chance. Si je fais la fête à Léopold, je suis sûr que d'ailleurs ça va aller super bien. Aïe, 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 aïe. On a 12 heures pour te retrouver, pour faire plaisir à 50 bourreaux. Aïe, 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 je vais pas remplir ma mission, les bourreaux vont pas être contents. Première fois que je remplis pas le... Attends. Comment je peux faire ça? Y a pas la place? Y a pas la place? Y a pas la place? Allez. Et qu'est-ce qu'ils prennent comme place? Allez, allez. Ça craint, ça craint.
Il faut sauver cette journée festive. On en est où? 134, 25, 20. 145. On va être bloqué. Oh non, je peux pas. À moins de faire dégager quelqu'un. Le truc, c'est que si je déplace, ils vont se dégager. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Oh là là. Il est 5h de l'après-midi. Allez. Non, 147. Et les gars, vous prenez mais tellement de... Mais oh, vous prenez mais tellement de la place. C'est quoi ces bourreaux là? Après, je vais devoir tout revendre. Mais franchement, cette journée des bourreaux là qui me trigger là. Yes, soupe aux champignons, level up. Non, c'est bloqué. Non. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est bloqué? Mais à cause de cette table. À cause de toi, t'es mort là. À cause de ce tabouret, un tabouret de ces morts. Ouais. Yes. Mais comment tu veux, mais... Sérieux? À quel moment t'es rassuré quand tu vois ça? À quel moment t'es rassuré? Regarde. Bonjour, c'est pour un séminaire. Bonjour. C'est pour la fête des... Voilà. C'est pour ma congrégation. Ensemble, on voudrait fêter quelque chose. On sait pas quoi, mais on aimerait tous venir masquer, s'il vous plaît. Hmm? Et qu'on en finisse avec ces escaliers. Voilà. J'aurais ou c'est pas éclairé? Il faut une lumière, j'ai l'impression. Hein? Voilà. C'est bon sur... Bah non, du coup. Voilà. C'est beau, regardez, c'est tellement stylé. C'est tellement beau, c'est tellement stylé, c'est tellement incroyable. Regardez comment c'est pratique. Imaginez plein de bourreaux, regardez comment c'est pratique. Franchement. Regardez. Ah. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence à être quoi hein? Quel est le problème? Ah bah voilà, mais ça va, c'est tranquille. Je me suis inquiété pour rien, en fait. Ok, on peut pas, genre... Ah, R. Hop. Non, je vais quand même pas... Hein. Mais il faut de la lumière en plus. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? Ah mais en plus il faut des murs sur lesquels mettre de la lumière. Vous avez pas l'impression de prendre la grosse tête niveau aménagement d'intérieur? Sans déconner. Allez, je suis bon prince. Je vous mets un mur. Mais je ne vais pas utiliser le mur. Ah, ça prend de la place au sol. Allez. Je mets à la bougie. On va éclairer tout ça. Hein. Parce que je pense à vous. Tu sens le craquage. Tu sens que le gars qui passe de... Moi, j'ai envie que les gens... Ils sentent la nourriture. Je veux que les gens... Ils vivent la nourriture. Je veux que les gens... Il respire une expérience culinaire. Ellipse. Il faut faire de l'argent. Allez, toi, t'as trop de salaire. Toi, t'es trop content. Toi, t'es... Allez, qui est joyeux? Ouais, toi, là. Toi, t'es trop payé, toi. Mais toi aussi, t'es trop payé. Ça se voit sur ton visage. Toi aussi. Ouais. Qui d'autre? ISF, mais bien sûr, qu'est-ce qu'il nous pompe? Très bien. Voilà. Si je vous paye, c'est pas pour être joyeux. Ah.
Il nous manque un banc tout seul. Là, ici. Voilà. Voilà! Regardez! Je sens que les gens vont passer un bon moment. Et on a de la place! Et on a de la place. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Spécial. Oh oui. Et on va passer le niveau prestige de niveau Oméga. T'arrives au bout comme ça. T'arrives comme ça en mode... Gna 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 gna. Regarde. Regarde ce que tu vois. Des nonnes. Et alors? Mais des méga tableaux. Et tu vois, regarde! Regarde comment c'est l'éclate! Regarde! Tableau va vu sur la sur le royaume. Vu sur la rivière, courant d'air et tout. Quel est le problème? Quel est votre problème? Vu sur le mur, mais non, il y a une ouais. Franchement. Regardez tous ces malchanceux ici qui n'ont pas tous accès à cette terrasse mirifique. Oui, n'ayons pas peur des mots. Mirifique, ouais. En plus, regardez, il y a le concert perso. C'est-à-dire que là, regardez. Boum ! C'est quoi ça ? Franchement, la chance. Avec la caisse de résonance et tout. C'est une vie incroyable. C'est grave ok, hein. Ils discutent, ils sont bien, ils sont à l'aise. Bon, c'est peut-être pas grâce à l'humour du bourreau que ça met un... Mais ça casse un peu... Ça met un froid, mais... Rien à voir avec la structure de... Hein. Franchement. On s'amuse, c'est l'éclate. Changeons de sujet.